Madame Petit Paquet en nuisette. D'habitude, elle dort en pilou. Oh, mais elle n'est pas toute seule. Quelle goulue! Je vais te lui envoyer une belle petite lettre anonyme. Ma pauvre Lulu, est-ce que tu peux être futile quand même? Je suis en train de lire un article sur les problèmes cardiovasculaires et toi là... Hey, t'es cancan de vieille fille, vraiment. Bio, super bio, concombre anti-cerne, aubergine, fermeté de la peau. Avec ça, je vais perdre au moins 6 mois. Dis donc, Jardiland, 5 fruits et légumes par jour, c'est dans l'assiette, pas sur la tronche. Voilà. Les amis, je reviens de la réunion du syndic qui a été un peu mouvementée. Pas question d'avoir un nouvel ascenseur dans cet immeuble. Je suis restée coincée 2h30 dedans. Il a fallu me désincarcérer à la scie sauteuse. Même dans le tunnel du Mont Blanc, vous rentrez pas. Perdez du poids, ça nous coûtera moins cher. Et comment ça s'est terminé? Bon, je suis allée aux toilettes pour me sécher. Mais on s'en fout! Le nouvel ascenseur, on l'a voté ou non? Oui, ça a été voté. Et ça va nous coûter très cher. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Vous savez, les amis, depuis les départs précipités de mon Jeannot pour les nuages, j'ai consacré ma petite retraite pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors là, j'ai pas grand-chose. C'est vrai qu'en ce moment, c'est facile pour personne, hein? Oh, j'étais sûre que vous me comprendriez, mes amis. Merci. Bon, j'augmente le loyer le 30% à partir du mois prochain. Ah, quel alivio, por Dios. Ouh. Tu peux pas te taire, toi, de temps en temps. Il y a une chambre inoccupée. Pourquoi est-ce qu'on trouverait pas un nouveau locataire? Oh, mon pauvre chéri, Hélène n'acceptera jamais, c'est la chambre de sa petite dernière. Elle veut qu'elle soit exactement dans le même état quand elle revient. Je suis allée sur Facebook et j'ai vu une photo de la petite dernière. Elle était à Miami, elle faisait le poirier dans une piscine avec 2 rugbyman et un bikini fluo. Alors bon, qu'on loue sa chambre, elle s'en remettra. Hein. C'est une très bonne idée. Oui. On va lui trouver un colocataire. Elle pourra pas refuser. Bon. On rédige une petite annonce. Moi, je veux une jeunette, pas plus de 65 ans. Qu'elle aime regarder les voisins à travers les rideaux. Qu'elle aime porter des body à paillettes taille 34. Sagittaire, ascendant Lion. Qu'elle sache danser le foxtrot. Et qu'elle parle chinois. C'est évident. Chinois. Eh ben voilà. Candidate numéro 1, madame. J'adore vivre en communion avec la nature. Oui, nous aussi. Je vis toute nue, tout le temps. Je suis professeure de français en retraite, très attachée à la grammaire. Je crois remplir toutes vos conditions. Je danse le foxtrot. Patrick, la petite, là, je pense qu'elle nous fera une faute de français à chaque phrase. Qui c'est-il qui te permet de dire des trucs pareils, vieille sorcière? Je parle le chinois. Han Kao Qin Jin Tony. Bien sûr. Il n'y a pas de mal à se balader toute nue. Non, mais pas du tout. Des potrons minés, virgule, le coq, coqueline. Ah! Vous n'avez pas entendu comme un cri de la voisine du dessus? Et je suis sagittaire ascendant lion. Tais-toi, Philibert! Pardon? C'est mon meilleur ami. C'est un fantôme. Merci, madame Philibert. Merci. Pas une de potable. Toutes des zinzins. Excusez-moi, la porte était ouverte. C'est ici pour la petite annonce? Vous avez dû vous tromper, monsieur. Ah non, 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 non. Peut-être pas. Il a pas l'air d'être fini, celui-là. Il casse pas 3 pattes à un canard. Sauf s'il s'assied dessus, parce qu'il a pas l'air d'avoir oublié l'heure des repas. Ce petit loucou. Cherchons femme de 65 ans. Tu sais lire une annonce ou non? Ah oui.
C'est que j'ai vu le loyer, le quartier, je me suis dit, c'est pour Bibi. Non, non, mais attention, nous recherchons plutôt le profil senior. Enfin, il recherche, parce que moi, je suis la quadra du groupe, je suis là de manière transitoire. Ça fait un an que ça dure, ton transit. moi aussi, c'est du provisoire. Je suis là en attendant que ma femme me pardonne une sombre histoire d'œil qui traîne. Pareil, moi. Alors, elle, on l'a trouvée sur une aire d'autoroute. Alors, bon, on aurait pu la ramener à la SPA, mais finalement, on l'a accueillie ici. Je vais les tuer. Mais c'est pas moi. Ben voilà, la coloc. On peut en savoir un peu plus sur vous, jeune homme. Moi, je m'appelle Simon. Je suis très travailleur. Hein. J'ai un carton dans une animalerie. 2 heures par jour, je distribue des croquettes. Sinon, j'aime le foot, le basket, le baseball. Ça me parle. Mais que à la télé. Le moindre sport me fait tomber dans les pommes. En revanche, je saurais pas trop comment faire avec vous parce que faut vous faire prendre vos repas à heure fixe, promenade, vous faire de la pâte à sel. J'ai peur de pas trop y arriver. Ouais, ça va pas là pour qui tu nous prends, petit con. Il a la langue bien pendue, ça me plaît ça. J'achète. Bon, alors, vous me prenez alors? Bonjour les amis. Il reste une dernière petite étape. La patronne. Mais ça va pas, non? Ces messieurs a l'air très sympathique, mais je ne veux pas un quatrième colocataire. Non, mais Hélène, Simon, c'est ce qu'on appelle un besogneux. Donc, il travaille 10 heures par jour, on le verra très peu. Et il fait du sport, il a de la poigne. Il nous montrera les packs d'eau minérale. Il peut payer 6 mois d'avance. Mais oui, ça compte, ça. Allez. Bon, c'est ça. La chambre de Marie Bertille, ma petite dernière. C'est rose, hein? Oui. Un petit coup de bleu? Hors de question. Vous savez, ma fille, elle s'ennuie beaucoup à Miami. Elle regrette beaucoup sa maman. Et du coup, je veux que sa chambre reste intacte pour quand elle revient. Alors, tu sais, j'ai vu 2-3 photos de toi. Oui. Bon, l'affaire est faite. Et Hélène, t'es d'accord? Oh, Georges. Bon, d'accord. Ah. Oh, je suis hyper heureux. Voilà, parce qu'en fait, je suis insolvable. Bon. Oh, quel boulet. Je suis fichier Banque de France. Je suis même au fichier des impayés européens. C'est ce qui est très, très rare, les deux. C'est rose, hein.